Je dois vous dire que j'ai été très 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 surprise de trouver dans mon mail, box, inbox, un message qui était signé d'une consoeur du barreau de Nantes et qui m'expliquait que le barreau de Nantes, en collaboration avec la Commission internationale du barreau de Nantes, l'Union internationale des avocats et le Conseil national des barreaux, tout ce monde-là, ce beau monde, avait décidé d'honorer mon combat avec 12 autres, disons, avocats dans le monde, des avocats qui défendaient les droits de l'homme et parfois au péril de leur vie, dans des contextes assez de dangerosité évident, et que parmi, dans les recherches qu'ils ont faites, eh bien, la petite fourmi noire que je suis, cachée sous un roc noir, dans la nuit noire, ne leur a pas échappé, qui m'avait vu, et que je serai parmi les 13. Je représente donc le Cameroun et je crois que je suis pratiquement également une représentante, une ambassadrice de ce combat pour les droits de l'homme pour toute l'Afrique. Évidemment, ça fait toujours plaisir de savoir que ce combat que vous menez chez vous, effectivement dans d'énormes difficultés, à vos risques et périls, sous les moqueries, les sarcasmes, parfois des jets de pierre, menace sur votre profession, sur votre vie, eh bien, que ce combat est apprécié et compris, que vous avez donc pu parler le langage de l'universel. Bien sûr qu'il y a un immense chemin qui a été parcouru, mais vous vous rendez également compte que beaucoup reste à faire. Il y a encore des gens qu'on tue parce qu'ils ont une couleur de peau différente. Il y a des gens qu'on pend, qu'on lapide, qu'on jette par-dessus des murs de plusieurs mètres parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente ou parce qu'ils prient un dieu qui n'est pas le leur, enfin, et j'en passe. Donc, le travail est encore important et il faudrait qu'il devienne le travail de tous les êtres humains. J'ai choisi ce slogan parce que justement, il concerne la partie des droits de l'homme que je défends et à qui on dénie toute protection de la loi. On vous dit qu'un homosexuel n'a pas de droit. Apparemment, il n'a pas le droit à la vie privée. On sanctionne donc sa vie privée, un élément important de la vie privée qui n'est autre que la sexualité. Et qui se déroule dans un endroit qu'on appelle le domicile, qui est soumis au régime de la protection, pas de la répression. Or, au Cameroun, la sexualité des uns est soumise à la répression d'État. C'est-à-dire que l'État se permet, au lieu de protéger la vie privée de tous, de protéger le domicile qui est revêtu du manteau de l'inviolabilité. C'est-à-dire que l'État ne doit même pas aller là où ça peut se passer. Il n'a pas le droit. Il a le devoir de protéger. Eh bien, on dit non, pour les homosexuels, il faut aller violer cette inviolabilité, aller plus loin, violer physiquement leur sexualité. C'est de la torture même. Et donc, voilà pourquoi, à mon avis, il fallait illustrer mon travail des défenseurs, qui n'est pas courant. Ce n'est pas tout le monde qui s'occupe de défendre ces gens-là, parce que c'est trop risqué, parce que ça ne se fait pas, parce que vous êtes vous-même considéré comme quelqu'un à éviter. À éviter. Vous êtes constamment... Et oui, j'ai vu, il y a des moments où, dans certaines associations, on dit que moi, je ne défends pas les droits de l'homme. Que ça ne fait pas partie.
les droits de l'homme. Bon, mais oui, je sais. Mais voilà pourquoi il faut marteler cet article du code. Il faut rappeler ça à tout le monde. Il faut le rappeler. Et je suis très contente que à cette occasion, on puisse remettre ça au goût du jour. Et pour ceux qui étaient encore obstrués par l'ignorance de ce combat, qu'ils se rendent bien compte qu'en faisant ce qu'ils font contre les homosexuels, et les États surtout qui le font, eh bien, ils violent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que j'ai fait bouger les lignes, beaucoup. Le problème de l'homosexualité n'est plus un tabou. Actuellement, nous sommes en train d'interpeller les députés, ceux qui font des lois, pour que, un, ils mettent de la cohérence dans nos lois. Et à l'intérieur d'une loi, les articles, que l'article 347 bis ne viole pas l'article 2 de la même loi. Ou bien que cette loi-là complètement ne viole pas les autres lois que les autres députés ont votées dans la Constitution. Nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos textes, dans nos législations. Et rappeler aux députés qu'ils ont surtout à mettre dans leur tête que la loi est d'abord faite pour protéger. Et que ces lois doivent s'appuyer et puiser exclusivement dans les principes généraux et les valeurs vues communes à tout un être humain. Donc la même chose. Et sur la base de l'égalité pour tous devant cette loi-là. Savoir par exemple que dans la Constitution, l'État s'engage sous le serment du président de la République à protéger les minorités. On n'a pas dit sauf les minorités sexuelles. Et que la présence de l'article 347 dans le nouveau code pénal est une insulte à ce serment. Et que dès qu'ils seront élus, la première chose à faire, c'est remettre de l'ordre, de la dignité, de la protection et le respect des engagements que le peuple camerounais a pris vis-à-vis des autres êtres humains à qui on tend la main pour dire « Venez, aidez-nous à lutter contre le choléra. » Et une fois que cet argent est là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit « Oui, on va soigner ceci, tu m'as pas celui-là. » C'est une honte. Il faut que ça s'arrête. Et ceux qui ont osé aller au Parlement cette fois-ci doivent avoir ça en tête. Nous voulons d'un pays qui marche debout et droit.